Salut tout le monde, aujourd'hui vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler de jeux vidéo, mais d'un autre sujet que j'aime bien, les concours de cosplay. Voici donc les meilleurs ratés des concours, avec pour commencer, le grand classique des combats. Regardez donc ce sportif, cette beauté du geste, cette fluidité de mouvement. Le petit Frédéric, t'as entendu sur ça. Enfin, bref. Mine de rien, on l'oublie souvent, mais cette série, c'est quand même une série musicale. Et il y a quelque chose de particulièrement chiant. Les scènes émotions tirées des mangas ou des jeux vidéo, où les trois quarts des spectateurs ne comprennent rien car ils n'ont pas forcément suivi la série. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un truc plus nul que ça? Le mot nu ne suffirait pas à décrire ce sentiment qui m'envahit. Je veux dire, si on se demande pourquoi la France est le premier pays à consommer des antidépresseurs, faut pas chercher plus loin, hein. Après, tant qu'on est sur la bande son, passons à un autre problème récurrent. Les prestations en langue originale ne sont pas terribles. Et là, à partir de ce moment-là, même la série d'Oster doit avoir du sens. C'est du dépucelage auditif. Donc ensuite, je vous propose de faire une petite minute de silence pour les personnages qui ne trouveront jamais leur place dans les prestations de cosplay. Allez, on s'en branle de ça. Et maintenant, préparez-vous à voir la plus belle fin de votre vie. Allez, accrochez-vous les mecs. Oppa Gangnam Style. Bien, toi ta gueule, hein. Bon. Voilà, c'est fini.